Bonjour, je vais vous présenter une vidéo de Variares. Donc Variares, c'est une toupie 4D la plus stylée du moment. Regardez la roue de fusion. Vous dites, c'est très simple. Et regardez de plus près. Regardez ceci. Ce sont les triangles pour faire encore un peu plus de style et plus de défense. Donc l'arrière, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, le boulon. Alors, le boulon représente le dieu de la guerre Arès, représenté avec des yeux verts et une tête noire et colorée en or, avec un fond rouge et noir. Donc voilà. Et l'axe et la pointe, sont collés ensemble. Pour vous, c'est très simple, hein, regardez. C'est vraiment un axe simple et une pointe simple. Hein. Point donc, mais. Regardez, pointe superposable trois fois. Une pointe défense, WB, une pointe attaque, F, et une pointe défense, endurance, S. Donc regardez, on va vous montrer. Moi, je vais vous montrer. Donc voilà, où elle, vous voyez la pointe défense. Bon, on voit pas très bien à l'écran. Pointe attaque. Et pointe endurance. Je vais vous montrer comment elle tourne des trois façons. Regardez bien. Commençons par le mode endurance. Attendez, je revisse ma toupie. Et cette toupie est vendue avec un lanceur L3R, c'est-à-dire droite-gauche, hein, comme la toupie Gravity Perceuse AD145WD. Donc regardez, comme ceci. Et voilà. Donc là, je vais la faire tourner dans le sens inverse, donc gauche, avec la pointe Endurance. Regardez bien. Et puis au fait, c'était pour passer un message sur MSN. Les filles, ça sert à rien de commenter que c'est nul et tout. Parce que, franchement, vous avez rien dans la tête. Bon, bref, passons. Regardez. On tourne pratiquement en gravité. Pour ceux qui s'y connaissent. Ensuite, la pointe défense WB. Très bien aussi. Donc elle tourne à peu près, on va se dire, comme la pointe endurance. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Un peu plus attaque. Donc voilà. Et le mode attaque, donc le mode attaque, c'est très spécial. Hein. Grosse éjection. Regardez. Je vais même pousser mon stadium un peu. Je vais vous montrer, attendez. Vous voyez. Donc voilà. De rien. Maintenant, je vais vous montrer comment elle joue en combat. Alors, en combat, c'est très bien. Regardez. Attendez, je vais prendre une toupie.
Je vais prendre Galaxy Pegasus avec un axe Lacerta et une pointe S, justement, endurance. Alors, je vais vous montrer le mode endurance. Déjà. Donc, justement, le mode le plus faible. Hein, car elle brille beaucoup, je vais vous montrer. Alors, par contre, je vais lancer vers la droite parce que j'ai du mal à lancer. Voilà, vous pouvez voir qu'elle tient sur les deux lanceurs. Voilà, déjà, elle gagne en mode endurance, comme ça, voilà. Maintenant, je vais vous montrer en mode défense. Vous voyez comment elle s'est fait repousser la toupie adverse. On dit c'est une petite classe après. Mais bon. Et voilà, donc elle gagne en mode défense. Et en mode attaque, c'est le pire. Je vais vous montrer ça. En mode attaque. Donc là, elle a perdu, mais c'est normal car je l'ai lancé en premier. Maintenant, on va refaire le combat. Barry Arès est sorti. Regardez-moi cette puissance de Galaxy Pegasus. Maintenant, on va la lancer en premier. Et voilà. Et oui, décidément, Galaxy Pegasus n'arrête pas de gagner. Bon, bah, ça va se transformer en un combat. Nous allons faire un combat alors maintenant. Voilà, barrière S. Pegasus a de la chance. Et voilà. Nous avons match nul. Intéressant. Donc voilà, nous voyons la puissance de Galaxy Pegasus et de Variares quand même. Maintenant, regardez, je vais vous montrer un autre style de jeu. Regardez. Dernier combat en plus. Alors, Variares mode défense face encore à Galaxy Pegasus. Regardez, nous allons avoir un combat de feu, mais hyper bien. Variares a gagné. Maintenant, je vais vous dire au revoir et à plus pour de nouvelles aventures. Pour regarder cette vidéo sur YouTube, il faudra taper présentation de Variares Bifloudil. À plus pour de nouvelles aventures. Bref, au revoir.